Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Alice au pays des singes, paru aux éditions Glénat, écrit par Thébault et illustré par Carmidas. Mais alors de quoi ça parle? Cette BD, c'est sur le thème des contes revisités. Donc là, ce sera le conte d'Alice qui sera revisité. C'est Alice qui recherche à retrouver le pays des merveilles. Malheureusement, elle arrive dans le monde de Tarzan. Tout le monde la prend pour Tarzan, ce qui est embêtant quand on n'est pas Tarzan. Hein. Surtout qu'elle va se faire pourchasser par le tigre. Toujours embêtant. Hein. Du coup, elle va essayer de chercher avec son ami singe à retrouver en fait le pays des merveilles et donc un arbre qui pourrait lui faire passer dans son pays. Toujours en étant pourchassé par le tigre. Mais alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans cette BD? Premièrement, les illustrations. Je trouve qu'elles sont vraiment très très jolies. Par exemple, celle-là, qui est une de mes préférées de la BD. Je trouve qu'elles sont magnifiques. Ensuite, l'humour. Vraiment, la BD est basée sur l'humour, vraiment. Le singe fait des sorties magnifiques et Alice, en fait, est tout autant jolie. Et c'est surtout le fait qu'Alice est prise pour Tarzan qui me fait rire, sachant que bah, Tarzan est quand même... c'est pas une fille, enfin, il porte pas une robe. Ça pourrait être très drôle, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'est vraiment tout ce qui est humour, illustration et l'histoire est vraiment géniale qui m'ont fait aimer cette BD. Donc si je vous ai donné envie de découvrir l'histoire d'Alice qui apparemment dans ce tome là est Tarzan, on sait pas pourquoi, vous pourrez retrouver ce premier tome et les autres en rayon BD de l'espace jeunesse. Sur ce, profitez de votre temps libre, lisez beaucoup et à plus en bus.